Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de Noah sur mer ici à La Rochelle, sur l'un des plateaux nautiques, parce qu'on va vous parler d'industrie et nautique, Tanguy. Eh oui, et le nautisme en Nouvelle-Aquitaine, c'est un secteur hyper important. C'est la deuxième région en termes d'emploi pour l'industrie nautique. C'est près d'un quart du chiffre d'affaires, presque 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour 1600 entreprises. Et ce n'est pas un hasard, car c'est un héritage de tous ces charpentiers de marine qui continuent à entretenir des vieux bateaux en bois, mais qui en construisent également pour naviguer dans ces eaux si spéciales de la Nouvelle-Aquitaine. Mais avant, on va mettre le cap sur un des chantiers emblématiques ici à La Rochelle, du Fouriot. On y va. Voilà, bienvenue au cœur du réacteur du chantier du Four, où tout se passe ici. Ouais. On va rejoindre Nicolas. Nicolas qui est le directeur commercial. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ça va bien ? On se check, hein ? Ouais, c'est la saison. Bienvenue chez Dufour. Voilà, on est devant quel bateau là ? Et on est devant le plus gros bateau de la gamme, le Dufour 61, donc le dernier né des chantiers du Four Yacht. C'est le plus gros, le plus gros. Et il est en phase de finition. On a fermé le pont il y a à peu près une semaine ou deux. Et puis on a déjà placé tous les aménagements à l'intérieur et on est sur la finition du bateau. Dans 2-3 semaines, il sort du chantier. On fait le tour de la navette. Allez, venez voir. Les bateaux s'agrandissent, les intérieurs s'éclaircissent, on ouvre de plus en plus les bateaux, on cherche la lumière comme dans un appartement. En fait, le bateau, il faut l'imaginer comme un appartement avec un très grand jardin autour. C'est le pont et la mer. La mer, c'est la piscine. Et vraiment, partout, on cherche à éclairer, à agrandir et à ouvrir le bateau sur l'extérieur. Ce sont des bateaux qui partent sur quelle destination ? France, plutôt Méditerranée, plutôt États-Unis, plutôt Italie ? Alors jusqu'à présent, on est très centré en France. On est l'un des plus gros chantiers en France. On est très centré entre la France, l'Italie, l'Europe vraiment proche. Et notre objectif, c'est vraiment de s'ouvrir sur l'international, de faire de l'export. Dans cet atelier-là en particulier, c'est notre atelier qu'on va appeler un peu prototypage, où on fait les bateaux un peu d'exception, on les fabrique ici. Avant de les sortir en chaîne, on a un autre hangar un peu plus loin dans lequel on a toute une série de bateaux qui circulent sur la chaîne et qui sont construits au fur et à mesure. On fait tout ici en local à Périgny. Toutes les pièces, on a un atelier menuiserie dans lequel on va découper le bois, on va venir apporter le teck. Tout est vraiment fait en local. Ouais, on le voit là, c'est de la prise de cote. C'est sur place. C'est millimétrique. Ouais, on construit de A à Z le bateau. Hein. On part presque de l'arbre jusqu'à la finition. Combien de salariés ici à Périgny ? Environ 400 personnes. On va mettre le cap sur Port Médoc, chez Lalou Rouquayrol. L'ancien skipper vient de mettre à l'eau son nouveau Arkemag. Arkema 4, ce trimaran de course de 15 mètres de long par 15 mètres de large, a été entièrement conçu ici dans le Médoc par le team Lalou Multi. Trimaran de course qui sera skippé par toi, Quentin. On imagine que c'est un jour un peu spécial aujourd'hui. Oui, bah effectivement, voilà, donc ça fait 2 ans qu'on a commencé ce projet. Donc d'abord en imaginant le bateau, puis en le dessinant sur ordinateur. Et puis après, voilà, il a fallu fabriquer de nos mains. On a vraiment fabriqué toutes les pièces sauf le mât et les feuilles. Donc c'était 2 ans très intenses. C'était important pour toi d'être à chacune des étapes pour bien connaître justement celui qui est aujourd'hui ton bateau. Oui, bah pour moi c'est essentiel. Hein. Je ne pouvais pas juste prendre les clés et partir en mer. Il faut connaître le bateau, pas que la partie voile, quoi, aussi la partie construction. C'est juste essentiel, je pense, pour être un bon marin. Quoi. Alors, qu'est-ce qui vous attend tous les deux, ce bateau et toi ? Donc là, très rapidement, on va installer les voiles, faire les premiers essais ici sur l'estuaire. Puis on va partir cet hiver en Méditerranée, aux Canaries, voilà, en équipage avec Lalou et Kenny, Raphaël, pour s'entraîner, découvrir le bateau. Puis ensuite, voilà, un petit chantier cet hiver avant de commencer les courses l'année prochaine. Les courses de la catégorie multi 50 avec la Transat Jacques Vabre à la fin de l'année 2021 avec Lalou en double. Et la course principale de ce projet sera la Route du Rhum en 2022. Le compagnonnage avec Lalou Rouquayrol, tu as 27 ans, vous naviguez depuis combien de temps ensemble ? Tu as fait le lycée de la mer à Arcachon, c'est ça ? Ouais, ça, je suis rentré dans l'entreprise en 2011 en alternance, donc ça va faire 10 ans l'année prochaine qu'on travaille ensemble au quotidien, voilà, qui me transmet
ses compétences, ses connaissances. Et aujourd'hui, bah, m'appuyer sur la loue, maintenant que je suis sur le support multi 50, c'est juste essentiel. Enfin, c'est juste voilà, peut-être le roi du multi 50, quoi. Donc, c'est juste essentiel de l'avoir avec moi à bord pour progresser le plus vite possible et d'être le plus rapidement performant. Le mot à dire maintenant, c'est quoi? C'est bon vent, tout simplement? Oui, voilà, bon vent, voilà. C'est ça. On peut monter à bord, permission de monter à bord? Avec plaisir. Et d'enlever son masque, on est au grand air, on a nos distances. Ouais, bienvenue à bord, donc un 390. D'accord. C'est la taille moyenne de nos bateaux, hein, environ 40 pieds, 12 mètres. Idéal pour une famille. Là, on est dans le bassin de test, on est un petit peu au bout de la chaîne de ce qu'on vient de voir. Quand les bateaux arrivent là, on est plus très loin de la commercialisation. Ouais, tout à fait. Ils sont sortis donc du bâtiment là-bas, ils ont été finis, tout le matériel a été placé à bord. Et on vient dans la piscine tester l'étanchéité du bateau, parce que c'est quand même un bateau qui vit dans la mer, il ne faut pas qu'il coule. Donc on teste les dessous parce qu'on a des trous partout dans la coque pour l'évacuation d'eau, pour prendre de l'eau de mer aussi, pour le refroidissement du moteur. Mais également, on va arroser aussi, on a un système d'arrosage automatique. Oui, pour tester la pluie et le climat. On va vérifier, voilà, exactement. Ou la navigation, quand il y a de l'eau qui passe sur le pont. Donc on vient quelque part inonder le bateau pour voir s'il y a des fuites. Comment ça se passe, les ventes en ce moment? C'est pas simple, avec la Covid, tous les salons ont été annulés. Alors, c'est pas simple, mais quelque part, ça nous a bien aidé parce que ça nous permet de nous remettre, ça nous oblige à nous remettre en question, à nous réinventer au quotidien. Donc les salons physiquement ont été annulés. Du coup, nous, on a détourné un peu le problème. On a organisé des petits salons privés avec un très bon soutien de tout notre réseau à l'échelle mondiale. Hein, puisqu'on a eu des salons à Annapolis, on a eu un salon à La Rochelle, on a fait dans le sud de la France à Bandol. Donc, on a essayé de remplacer un peu ces salons. Il y a aussi tout ce qui est un petit peu visite virtuelle. On a vu, ça existe dans d'autres domaines, mais ça s'applique au nautisme. Exactement. On a été les premiers pendant le premier confinement à créer la marina virtuelle. Vous pouvez carrément sur le site internet visiter le bateau. Vous arrivez sur le ponton, vous visitez chacun des bateaux, toute la gamme. Et ça fonctionne? Les ventes, les gens achètent des bateaux en ce moment? Alors très sincèrement, ça fonctionne. On voit un peu comme dans l'immobilier, les gens ont besoin de se projeter, d'avoir un extérieur, de rêver sur quelque chose. Quoi de plus beau comme rêve que d'avoir un bateau et de pouvoir partir avec sa famille à l'autre bout du monde ou même faire un tour dans la baie de La Rochelle? C'est des jolis rêves, des jolies histoires. Bon, on va continuer de rêver, mais alors par contre, on change radicalement de décor. C'est toujours du chantier nautique, mais cette fois-ci, c'est plutôt historique. Et ça se passe à l'Arsenal. On retrouve Olivier. Eh bien, moi, je me trouve sur le site de l'Arsenal de Rochefort, là où était construite l'Hermione, la réplique du vaisseau amiral de Lafayette. Il faut savoir que la cité de Colbert était sous le règne de Louis XIV au XVIIe siècle, une place forte de la marine française. Alors 400 ans plus tard, qu'en est-il? Est-ce que Rochefort est toujours une place forte maritime? C'est ce qu'on va vérifier en images. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors ça y est, le clapotis est prêt à se refaire une beauté? Ah oui, oui, mais il était temps, oui. Il en a bien besoin. Le clapotis a 100 ans. C'est ça, c'est déjà pas mal. Racontez-moi l'histoire de ce bateau. Il a été construit en 1919 à Boyerville. Ouais. C'est un bateau de travail? C'est surtout un bateau de travail, même s'il a une allure de yacht, c'est vrai. Mais il servait à mettre les balises, c'est ça? C'est l'ancêtre des bateaux, des phares et balises. Tout à fait. Le stationnement, mais exactement, fait. Voilà. Il a travaillé pendant de nombreuses années dans les pertuis. Voilà. Ouais. Voilà. Et au bout d'un certain nombre d'années, bien évidemment, avec l'usure. Il faut faire des travaux, quoi. Bon, Rémi, c'est le moment de me faire visiter le bateau. Ah, mais avec plaisir. On t'abord? Ah, allez-y. Allez. Je passe en premier. Allez-y. On va sur le pont. Ouais, ouais. Montez. Le mât, vous allez l'enlever ou pas? Bah bien sûr, oui, on va démater, oui, parce qu'il faut revernir le mât. Pratiquement, c'est une révision générale. Voilà. Quand vous êtes en mer ici, c'est extraordinaire. Il y a toutes les voies, il y a du vent. On est au ras de l'eau aussi? Ah oui, quelquefois. Et c'est génial. L'intérêt de ce genre de bateau, c'est que tout est manuel.
Ouais. C'est le plaisir. Franchement, si vous regardez les autres bateaux, tout ça, un tas de plastique, c'est joli, certes, ça peut aller vite, mais celui-là, c'est quand même autre chose. L'important, c'est qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre, qui puisse rentrer. Et là, faudra... on bouchera des points comme ça, non? Pas forcément. Il suffit de poncer. Ah oui. On ponce, ça revient. Alors moi, je me suis installé à Rochefort parce que j'ai travaillé sur l'Hermione. Donc c'est vrai que c'est l'Hermione qui a relancé un peu la dynamique de plusieurs charpentiers qui viennent sur Rochefort et sa région. Vous avez beaucoup appris avec l'Hermione? Oui, évidemment. Alors c'est une autre échelle, hein, donc les pièces sont différentes et le temps passé sur chaque pièce est complètement différent, mais c'était une bonne école. Oui. Alors moi, je vais lui refaire un peu sa garde-robe, quoi. Je vais essayer de le faire durer encore peut-être une centaine d'années, j'espère, vu qu'il vient juste de passer 100 ans. Je vais lui gratter complètement la peinture, le remettre à nu. Je vais décalfater, recalfater, changer quelques bordées si le besoin s'en fait sentir. Ouais. Et voilà, remettre une nouvelle protection. On n'est plus beaucoup à continuer à travailler le bateau bois traditionnel, ce qui est dommage. Mais on sent qu'il y a vraiment une demande au niveau de la protection de ces bateaux, des clients et des gens qui veulent naviguer avec ce type de bateau. Et aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire de sauvegarder au mieux notre patrimoine. Hein. Pour moi, il ne va pas casser demain. Alors c'est sûr que ça fait une fragilité et le jour où vous allez vraiment tirer dessus, il va casser. Oui. Mais une pièce de rechange suffit. Parce que le changer alors qu'il n'est pas complètement cuit, oui, donc c'est un peu. Il faut aller au bout, quoi. La vieille dame a besoin de travaux, oui, c'est de l'anticipation également pour éviter qu'on ait trop de frais à l'avenir. Et idéalement, c'était l'année où il fallait concevoir les entretiens, les réparations. Alors, le meilleur plan, allez, mars-avril, c'est terminé. La Covid, on n'en parle plus, bien évidemment. Et là, on peut naviguer à nouveau. On peut s'entraîner puis repartir, parce qu'on en a besoin. Allez, on se retrouve à La Rochelle au chantier d'Espierre avec le Cupidon Fou. C'est un vieux bateau également dont le marbre a été fait à Rochefort dont tu nous as parlé, Olivier. Là, je suis avec un autre Olivier. Alors Olivier, c'est toi qui reconstruis ce bateau? Oui, j'ai pris la construction en cours là depuis qu'on a ramené le bateau donc à La Rochelle. Comment ça se reconstruit un bateau comme ça? Comment ça se reconstruit? À partir de plans. Et on repart de zéro, on fabrique un marbre, on pose des couples dessus et après il faut faire toute la structure axiale. Et autour de ça, on vient mettre nos bordées et nos membrures ployées qui sont courbées à chaud. Ça c'est un bordé qui ça, va c'est faire un bordé. Toute la longueur? Toute la longueur du bateau en un seul tenant. Il y a quand même un collage à l'arrière pour que le bordé soit d'un seul tenant, qu'il n'y ait pas de jonction. Ce sont des gestes que tu pratiques au quotidien et tu as fallu faire des recherches pour savoir comment est-ce qu'on reconstruit un bateau qui est de 1930, c'est ça? 1930, ouais. Et ces gestes-là, tu les as appris, tu les connaissais? J'en ai appris certains à l'école et il y en a d'autres que j'ai appris sur le tas à force de travail, on va dire. C'est comme ça qu'on apprend, métier de charpentier de marine, ça prend dans les chantiers avec les anciens? Beaucoup sur le tas, ouais. Qu'est-ce qui va rester d'origine sur ce bateau-là? Qu'est-ce qui va rester d'origine? Alors là déjà, là, comme il est là, il n'y a rien d'origine. Tout a été refait à neuf. Il y aura le lest et la barre franche du bateau. D'origine, donc? D'origine, c'est tout. Qu'est-ce qui va être le plus dur là maintenant à faire? Le plus dur, ça va être les 4000 rivets à poser. 4000 rien que ça. 4000 rivets, ça va être très long. Après, il y a des bateaux qui sont en restauration, comme le Robin des Mers qui est juste de l'autre côté là. Celui-là, il a été restauré à peu près à 80%. Il reste le pont et le barrotage de pont, à peu près. Et toute la structure axiale et toutes les membrures quasiment ont été changées. Alors tu parlais de restauration, il y a une autre belle restauration qui vous attend, c'est un bateau qui est dehors, qui est l'un des plus anciens bateaux encore à naviguer. Oui, Girl Joyce, oui. Le Girl Joyce, on va aller le voir là tout de suite. Bateau plus ancien encore, hein, 1855. Là c'est pareil, c'est le même genre de technique? C'est pas pareil, celui-là c'est du...
C'est pas de la membrure ployée, c'est de la membrure sciée. Donc comme celui-ci, c'est le même genre de structure. Donc c'est des bateaux beaucoup plus robustes. C'était des bateaux de travail à l'époque, donc fallait un truc costaud. Là, le Cupidon Fou, c'est surtout un bateau de régate, de plaisance. C'est des bateaux qui restaient pas à l'eau, qui étaient régulièrement sortis. À chaque fin de régate, ils ressortaient le bateau, ils le mettaient au sac. Tandis que ça, c'est des bateaux qui restaient à l'eau tout le temps. Et donc, des bateaux de travail. La Gorgeous, sortie d'un chantier de Plymouth en 1855, et Olivier, tu as rencontré son propriétaire. Cette demoiselle est née à Plymouth en 1855 et vient de souffler ses 165 bougies ici à La Rochelle, avec son nouveau propriétaire, le patron du chantier naval d'Espierre. Naviguer sur un bateau comme ça, déjà c'est un bateau qui est chargé d'histoire. Moi je suis passionné par tous ces bateaux en bois. Il y a une certaine rigueur qu'il faut avoir et rudesse qu'il faut être prêt à vivre. Voilà, on n'appuie pas sur un bouton pour hisser la grand voile. Il n'y a rien d'électrique, il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien. Il y a juste la seule chose d'électronique qu'il y a, c'est le moteur, au cas où. Et tout le reste, ça se fait à l'estime. Sous voile, l'un des plus vieux gréements du monde a toujours belle allure. Et quand Girl Joyce rentre au port, elle ne laisse jamais indifférent ses voisins de ponton. C'est un bateau incroyable. C'est un bateau qui, par ses lignes et son style, interpelle les curieux, les aficionados comme les néophytes. Et après, l'histoire de ce bateau-là est aussi exceptionnelle. Ce pont du patrimoine maritime mondial appartenait à Yvon Lecor, peintre, poète et marin. Il a brolingué sur toutes les mers du globe avec son bateau, avant de le transmettre à Nicolas, qui lui dédie cette petite phrase inscrite sur le rouf. Il faut ajouter du plaisir au plaisir, fermer les guillemets. Yvon m'a toujours dit qu'il avait eu énormément de plaisir avec ce bateau-là. Et donc, cette petite phrase qui m'a été soufflée, j'ai décidé de l'écrire pour que moi aussi je prenne du plaisir en plus de ce qui a déjà été vécu avec. Quoi. Girl Joyce vient compléter la petite collection personnelle de Nicolas Chanteloup. C'est son quatrième des vieux gréments. Tous chargés d'histoire, comme la petite dernière, la fille de joie, toujours prête à sillonner les mers. On est toujours chez Despierre, charpente marine traditionnelle. Et pourtant, ici, on est avec Manuel. Manuel, tu nous expliques un petit peu ce que tu fais sur cet écran. Ce que je fais, c'est la conception et la fabrication par ordinateur. Donc, ce qui consiste à modéliser en 3D par le biais d'un logiciel des pièces à fabriquer et après programmer une machine pour les usiner. D'accord, parce que par exemple, une poulie comme celle-ci, évidemment on voit que ça a été fabriqué à la main. Aujourd'hui, des objets comme ça, on peut concevoir sur ordinateur et les faire fabriquer par une machine. Voilà, tout à fait. Moi je suis dans le chantier depuis peu de temps et donc le but est de faire un atelier numérique au sein du chantier d'Espierre. D'accord, et c'est là qu'on s'aperçoit que finalement cette charpente de tradition rejoint les techniques les plus modernes. Mmh. Et cette mise en application, vous l'avez faite, vous la concevez pour des surfs, pour des skates, des surfs, c'est, oui. Dans un premier temps, c'est ça un petit peu l'idée. Alors il y a eu une idée de revaloriser les déchets au sein du chantier, donc en faisant des surfs et des skates. Dans un premier temps. Donc là, on a réalisé des prototypes. Donc ce sont des surfs en bois massif qui sont évidés, voilà, comme c'est ceci. Ça, c'est creux en fait à l'intérieur. Ouais. C'est creusé à l'intérieur. Ouais. Après, c'est rassemblé et shapé directement comme ça. Comme ça, on a un surf qui est en bois massif, qui est très joli, ça rend très bien, et qui est à la fois léger pour avoir des performances comme des surfs modernes. Ça fait avec les chutes de bois de tout le reste du chantier qu'on a vu là. Tout à fait. Je crois que Olivier a trouvé un petit jouet là dehors, justement, on va aller le retrouver pour voir à quoi ça ressemble. Bon, alors, quelle arrivée ! Ça, c'est un beau jouet. Alors, tu sais que ce jouet là, Olivier ? On va bientôt pouvoir le fabriquer, celui-là a été fait à la main. On va bientôt pouvoir le fabriquer avec cette machine. Manuel, tu le montres ? On te suit. Donc, c'est toi qui es responsable de ces beaux jouets ? Voilà.
Et donc vous faites des longboards en skate et des planches de surf. Voilà. C'est plus de la déco ou celle-ci? Ah non, c'est un vrai surf qui est fait pour naviguer avec, hein, prendre des vagues. Comment ça va fonctionner plutôt? Alors on a vu tout à l'heure les logiciels de CFAO, donc construction et fabrication assistée par ordinateur. C'est des plans? Voilà, c'est tout ce qui est la conception, donc modélisation, et puis aussi tout ce qui est programmation justement pour commander la machine qui est un robot en fait. Hein. Il y a du chantier en s'agrandissant, en coworkant presque, parce qu'il y a plein de secteurs. Il faut rester dans l'ancien, mais en se modernisant, c'est vraiment ça l'idée? C'est garder des techniques traditionnelles, mais avec des outils modernes, ouais, je dirais. Mais justement, en parlant de ça, on va mettre le cap maintenant sur Arcachon, où deux chantiers historiques se sont associés pour construire des bateaux sur le modèle des vieux bateaux du bassin, en déboîte, des petits voiliers à la journée, tout neuf. La pointe de l'Aiguillon à Arcachon ne serait plus tout à fait la même sans le chantier Bossuet. Jean-Baptiste est la sixième génération de charpentier de marine. Il a dessiné un bac à voile en s'inspirant des bateaux de travail de la fin du 19e siècle. Ces bacs qui ont permis de construire les premières cabanes sur un cap ferré désert. À l'époque, c'était les bateaux de travail, donc pour pouvoir charger des huîtres, du matériel de construction, pour pouvoir traverser le bassin. À l'époque, on n'avait pas encore les engins motorisés. Jean-Baptiste et son copain d'enfance du chantier naval voisin ont d'abord conçu ensemble un voilier de 8,50 m en forme d'hommage à leur père disparu. On est rentré dans nos chantiers respectifs à travailler avec nos pères quasiment la même année. Et surtout la même année, en 2010, on a perdu nos papas à 3 semaines d'intervalle. Et donc on s'est un peu retrouvés orphelins de nos mentors. Donc on a... De notre amitié, on a dit on va essayer de faire quelque chose pour eux, créer un bateau pour eux. On voulait aussi retrouver un peu des images du bassin Arcachon avec des jolis bateaux élégants. Le bateau élégant, le voilà, le Beau 28, un voilier avec un très faible tirant d'eau, parfaitement adapté à la navigation sur le bassin. On a une toute petite cabine pour mettre les voiles, le matériel à l'intérieur, éventuellement passer une nuit d'appoint, mais vraiment une. Et on peut embarquer jusqu'à 9 personnes. La version moderne du bac à voile est aussi entièrement en bois, mais recouvert d'époxy. La noblesse du matériau d'origine sans entretien. Les 7 premiers exemplaires ont vite trouvé preneur. C'est émouvant et c'est aussi une satisfaction parce que ça prouve qu'on ne s'est pas trompé. S'inspirer des anciens bateaux de travail du bassin d'Arcachon tels que les bacs à voile, pour les remettre au goût du jour avec une construction plus moderne mais toujours en étant en bois. Le bateau, il est dans son élément, c'est-à-dire que vous pouvez faire une erreur de navigation sur des hauts fonds, vous n'allez rien casser, au pire vous allez vous échouer, passer la nuit dans la cabine, il n'y a rien de grave, le bateau est fait pour ça. Retour au chantier, cette vedette motorisée de 13 mètres en est aux finitions. On est en train de mettre le dossier en place. Ouais. Un projet unique, dessiné par un architecte et qui ne voulait personne d'autre que les deux associés pour la construire. Le bois a deux avantages. Le premier, c'est la durabilité dans le temps. Le second, c'est que c'est le sur-mesure. On fait à peu près ce qu'on veut. On n'est pas sur un moule et les choses ne sont pas figées. Donc on peut vraiment travailler comme le désire le client dans le moindre détail. Depuis 50 ans et l'avènement des bateaux de série en composite, les charpentiers de marine assuraient surtout l'entretien des bateaux anciens. Avec ces constructions neuves en bois, les deux compères prennent leur revanche sur le plastique. Et voilà, tradition, modernité, la boucle est bouclée et la construction nautique se porte bien en Nouvelle-Aquitaine. Et il est temps de se quitter pour se retrouver le mois prochain où on parlera des produits de la mer. Avec Guillaume, on va embarquer sur des bateaux de pêche. Moi, ce sera pour la coquille Saint-Jacques et toi ? On verra les poissons de saison à Saint-Jean-de-Luz, des poissons que vous allez retrouver sur les tables à Noël. Allez, bye bye. Salut. Salut.